Didier Guimain, vous allez présenter Greenout dans le quintet de dimanche à Auteuil. La jument reste sur une course où elle a été non partante à Pau. Est-ce qu'il y a une explication? Oui, c'est une... la pluie s'était fait mal sur un jarret et c'est pour ça qu'elle était non partante. D'accord, donc depuis, vous avez pu l'entraîner normalement? Oui, tout à fait. D'accord, donc elle va être prête d'entrée de jeu? Je pense aussi, si je fais le déplacement, si je pense qu'elle sera prête. D'accord. Elle avait déjà montré une certaine qualité en début de carrière. Hein. Oui, tout à fait. Elle s'était bien comportée à Bordeaux. Elle a bien répété à Enghien. Après, on l'a mis sur le steep, ça n'a pas été. Elle a sauté assez gros, très fort. Et du coup, c'est pour ça qu'elle avait été nulle part. Du coup, je pense qu'en l'armée sur les haies, elle sera beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ses débuts à Auteuil? Est-ce qu'elle devrait s'adapter d'entrée de jeu à cet hippodrome? Bon, mais c'est sûr que c'est toujours difficile de débuter à Auteuil par rapport à des chevaux qui ont déjà couru et qui connaissent ce parcours. Voilà, c'est ça un petit peu le. C'est un petit peu moins par rapport aux autres, quoi. Mais sinon, elle est maniable, elle ne tire pas. Non, tout à fait. Jusqu'à beaucoup de fond, qui ne tire pas non plus. Voilà, je pense que. Je vois pas pourquoi ça la dérangerait, quoi, voilà. D'accord. Alors maintenant, elle dispute son premier handicap. Elle a un rating de 60 de valeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, elle était mieux placée avant qu'elle gagne à Enghien, mais bon, ben voilà, quoi. Faut, comme j'ai que cette course-là en handicap, moi, si je cours, je pense que oui, je suis pris à ma valeur, je pense. Maintenant, faudra voir. Voilà, vous pensez qu'a priori, elle a son mot à dire dans ce genre de course en valeur 60, quoi. Question valeur 60, je ne peux pas dire que je suis massacré. Elle a co-débuté seconde, gagné et regagné en gain. Bon, handicapeur, il ne va pas me mettre un poids faible. Je pense que je ne suis pas massacré non plus, quoi. Et est-ce qu'elle va bien dans le terrain lourd autrement? Oui, je pense que. Je ne sais pas si vraiment, je ne connais pas trop parce qu'elle n'a pas couru beaucoup de fois. Dans le terrain très lourd, je ne sais pas comment va être le terrain là. Mais la fois en gain, c'était bien collant, ça m'est bien débrouillé.